Bon bah on y est, hein. Couleur du chardonnay. En fait là, le curseur c'est pour voir comment on veut le mettre quoi, au niveau du taux d'engagement. Ah, et mais là comme c'est raide mon gars. Oh mais comment c'est beau. Alors, faut être malin. Faut prendre un peu de tout, comme ça, si tu te fous dans un trou, hop, y a que la bière que je laisse aux autres. Non, bah le but du jeu, c'est d'aller chercher de la neige, comme il n'y en a pas en moyenne altitude, d'aller en haute altitude. Il y a plus de neige, mais il y a plus de glace aussi, donc on verra ce qu'on arrive à faire. Petit passage des trois cols, balade autour du Chardonnay, mais normalement c'est un truc qu'on fait la journée, sauf que nous, on va le faire en trois jours pour skier autour. Monte sur le glacier du Chardot, ce soir on dort au pied du col. Et demain, Balneuve. Oh, il nous reste 500 là. Hein? Ouais, 450. Ouais. Allez, 400. Ça dépend où on met la tente. Hein. Hey, il nous reste 3, 4, 500. Sur le papier, pour aller au pied du couloir, il nous reste 500. On dirait moi, tu sais. On peut mettre la tente bien avant, il ne restera que 400 ou 300. L'année dernière, avec Alex, on a dit quand t'arrives pas à lever le sac à une main. Il est trop lourd. Non. J'y suis arrivé à une main. On a encore. Tiens. Ça me l'a jamais fait ça, mais j'ai les jambes vides mon pauvre. Je souffle et tout, ça va, mais les jambes, rien. Eh mais c'est peut-être ça, j'ai peut-être chargé les jambes dans le sac. Bien, on monte jusque là là. Ouais mais il y en a deux là. La ouais deuxième, mais on, là. On les fait dans le même trou. Ben, ce qu'il faut, c'est là décaisser un mètre, quasi. Ouais, c'est ça. Et comme ça, tu vois, vu que c'est un peu en pente. Belle journée. J'en sais pas autant à chier. Ben, tu vois la tente qui bouge. Hein. C'est que pile quand on était en train de monter ça, le vent il s'est levé. Et voilà, ça nous a un peu remis en place. Et là, il fait franchement froid. Vous arrivez à nous remettre des blocs? Ouais, juste deux secondes. Attends, je bois une pinte. Oh putain! Ouais, bah tiens, on fait le boulot de la communauté alors. Et alors, mon bas, c'était quoi l'apéro là? On peut se prendre une bière là! C'est l'heure de l'apéro! Vous avez pas une petite bière? Mais fais à manger, fais à manger! Chacun ses responsabilités! Ça va en mettre partout. Ah non! Mais on doit pas être trop en altitude hein! Et monsieur Météo, il fait combien là? Oh, mais ça a augmenté de 4 degrés. Il fait moins 11. Je trouve qu'on est assez chaud en ce moment. Okay. Il fait moins 11, ouais. Il faisait moins 15 il y a 30 minutes. Ouais. Allez, bonne nuit. Impeccable. Bien dormi, mec? Ouais, pas pire. Ça va. Ce qui est bien, c'est que ça s'est pas du tout amélioré pendant la nuit ce qu'on veut skier. Oh putain. Tu penses que ça va être dégueulasse? Ouais, je sais pas, je pense là, c'est sûr. Non, je pense pas que ça va décailler. Mais au moins, on est au soleil. On verra, hein. Au pire, on fera demi-tour, on continuera la balade. Hop. Bon, bah, on y est, hein. Couleur du Chardonnay. Trop belle ambiance. Dolomitique. Et Bastien, en bas. Là, c'est un peu la partie où faut pas faire les marioles parce que t'es au-dessus des bords. Autant la première partie t'es un peu dans l'axe du couloir, autant là. C'est dégueu, hein, ça c'est une certitude. En fait, là, le curseur c'est. Faut voir comment on veut le mettre quoi, au niveau du taux d'engagement. Petite traversée pour rejoindre le couloir principal, sauf que là on est plein fer au-dessus des bars. Chaud! Là, c'est vraiment trop place. Ah,
Oh mais comment c'est beau! Oh, mais là comme c'est raide mon gars! Oh Bobo! Oh comment c'est raidos! Du casse-croûte. Non, un peu de sérieux, la pente, bah, c'était cool. C'était mieux que ce qu'on pensait hier soir. Et voilà, tip top niveau timing. Bien décalé comme il faut de haut en bas. Et voilà, pas une neige où tu fais le fanfaron, mais agréable à skier. Vu des petits gémissements que t'as mis, je pense que t'as bien kiffé. Ah bah, bien agréable à skier, je... Ah on a joué derrière sur le glacier du Chardonnay. Là on vient de passer côté suisse, glacier d'Atalena, belle vue sur l'aiguille d'Argentière. Et là on va passer le col de la fenêtre du Tour, objectif dernier glacier, glacier du Tour, enfin avant dernier, parce qu'après on va rejoindre celui d'Argentière. Et bien ça on va le faire demain, direction refuge Albert Prums. On va se faire une partie de Uno mon gars au refuge là. Wow. C'est lunaire là. On arrive sur la lune. See the morning light. Ouvre la bouteille, Jean-Michel. Attention. Paf. Moi je reviens quand tu veux, Hacham. Là c'est dur. Hop, croûtasse. Dégueulasse. Bon Dieu, comme c'est béton. C'est pas rire, patate à la cave. Du coup, plan de secours. On va rejoindre l'école tranquillement de l'autre côté. Puis on va se faire une balade sur les glaciers. Qu'est-ce que t'en dis, Gaëtan? Sommet du col, on va se faire un petit Uno pour déterminer le gagnant du trip. Parce que pour le moment, j'ai gagné 4 fois, Bastien a gagné 4 fois. Allez, c'est la défense du titre. Bah, je suis chaud, mais le dieu des cartes, il m'a pas. Il va pas m'aider là. Pisserie, ah, tiens. Oh, non. Changement de sens, c'est à moi. Changement de sens. Non. C'est à moi. Plus 2. Non. 1, 2. Finito. Ah, Uno, j'ai oublié, mais...
Oh, Bastien, regarde ce que j'ai trouvé. Les gens, ils laissent vraiment traîner n'importe quoi sur le glacier. Hop là.